Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce vendredi 27 mai 2022, 11h16, du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Chers amis, on va plonger dans l'univers, dans le monde des objets volants non identifiés. Sujet qui est devenu maintenant majeur et euh, on pourrait le qualifier de presque faisant partie de notre réalité banale, ou presque. On n'est plus catégorisés comme des gens euh, euh, venant d'une autre planète, nous, tu ceux, euh, ceux, ceux qui sont vraiment intéressés par ce sujet-là. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, ce qui fait maintenant que ce sujet euh, est devenu euh, est, pr est pris très au sérieux, c'est que des euh, témoins comme des pilotes de l'armée américaine, des marins et d'autres Corps militaires à travers le monde ont été des témoins de ces euh, observations-là. Donc, c'est pris très au sérieux. Maintenant, ce que je veux vous partager aujourd'hui, je vais vous laisser ça dans la boîte de description pour des raisons naturellement de droit d'auteur que vous comprendrez. Je vais vous les laisser dans la boîte de description. Pour ceux qui ne savent pas euh, qu'est-ce que la boîte de description, je vais vous le montrer. C'est quand vous allez sur une vidéo, euh, vous descendez et vous avez euh, les commentaires, mais aussi vous avez euh, l'endroit où ceux qui ont publié la vidéo, vous avez des... Euh, ben, je vais vous le montrer plus précisément, là, où on met des informations. Donc, si, par exemple, on va sur... Euh, euh, je vais aller vous chercher une vidéo, bougez pas. Donc, quand vous êtes euh, sur une vidéo, sur YouTube, vous allez ici, juste en dessous du titre, il y a un petit. Euh, vous cliquez sur euh, More et là, la boîte de description apparaît et les liens sont là. Voyez-vous, moi quand je, je vous mets des liens, ils sont tous là. Donc, je vais vous laisser les liens de ces vidéos-là euh, et euh, vous pourrez euh, aller voir ces. c'est fascinant, tous ces enregistrements que les gens ordinaires, comme vous et moi, à travers le monde, ont filmé parce que, comme je le dis souvent, on est dans un monde différent où chaque citoyen ou presque dans, sur l'ensemble de la planète a un téléphone portable qui peut être instantanément transformé en caméra vidéo ou en appareil photo, ce que tu n'avais pas dans les euh, décennies euh, lointaines. Tu, si tu avais... La chance d'être témoin d'un événement euh, dans le ciel, ouais. il y avait juste tes yeux et ta mémoire pour raconter l'histoire. Maintenant, tu n'avais pas de. Tu sais, pas le tableau. Il n'y a personne qui se promenait avec un, une caméra ou un appareil photo 24 heures sur 24. Mais maintenant, tout le monde a son téléphone, c'est devenu presque un organe interne de l'être humain. Et là, vous allez voir, ça vient de partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis. Il y en a aussi de pilotes. Un que je vais vous laisser de History. Ben, deux liens de History. Un qui est de Québécois. Euh, J'imagine que c'est à Montréal que ça s'est filmé. Quelque chose d'hallucinant qui est rapporté, même ici, par euh, la chaîne History. Et vous allez voir euh, les images. C'est inexplicable ce que ces gens-là ont filmé. Un pilote aussi, des pilotes de, de, de lignes commerciales qui filment un cube qui, qui se promène à une vitesse incroyable. Et comme une hypothèse est avancée, peut-être que ceux qui viennent nous visiter, avant de venir, ou souvent même n'ont pas besoin de venir, envoient des espèces de sondes. Et c'est peut-être ça qu'on voit, des sondes qui viennent analyser, qui viennent chercher, qui viennent compiler de l'information. Et il y a beaucoup d'autres hypothèses qui suggèrent que ces civilisations-là ou ces visiteurs-là ont des bases soit sur la Lune ou Mars, pas très loin, et qu'on peut, à ce moment-là, venir euh, nous visiter rapidement ici. Et ces, euh, ces objets qu'on voit volant, hein, qui défient la gravité, qui défient toute connaissance, peut-être que ce sont des sondes envoyées par... Comme nous, on envoie des sons d'ailleurs. Comprends-tu? Donc, vous allez voir une multitude de, de, de vidéos renversantes. Puis c'est pas des. Moi, j'ai regardé ça plusieurs fois. Là. Il y en a des fois qui a l'air. Ça a l'air un peu douteux, des montages, mais là, c'est vraiment. Euh, tu sais pas ce que c'est. C'est des phénomènes aériens, c'est des phénomènes naturels. C'est des. Il y a plein, plein de possibilités, mais. On tourne toujours autour de la même. Donc, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Euh, vous allez juger par vous-même. Mais c'est devenu gros, c'est de plus en plus gros. Est-ce que les troubles sociaux, est-ce que tout ce qui se passe fait en sorte qu'on a plus d'interactions avec eux? Moi, j'ai la conviction que nos grands dirigeants sont déjà depuis belle lurette en contact avec ces civilisations-là. Hein, qui ont intérêt naturellement à être en contact juste avec ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont le, de, de, comment dire, le pouvoir de leur donner quelque chose en retour, en échange peut-être aussi de connaissances, en échange de technologies. Et on le voit hein, comment ça s'est transformé rapidement euh, notre monde technologique. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Tu sais, ce n'est pas vraiment de la conspiration, ce n'est pas vraiment. Du délire non plus. Tout est devenu tellement plus simple maintenant. Donc je vous laisse ça. Euh, Amusez-vous à regarder ces images-là. C'est fascinant. Vous allez en avoir plusieurs. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis on se retrouve bientôt.